très cher père. Tu m'as demandé récemment pourquoi j'affirme que je te crains. Je n'ai pas su, comme d'habitude, quoi te répondre. En partie, justement, à cause de la crainte que j'ai de toi. En partie parce qu'il y a trop de détails qui entrent en jeu pour que je puisse les intégrer, ne serait-ce que partiellement, en parlant. Et si j'essaie ici de te répondre par écrit, cela ne sera tout de même que très incomplet, parce que dans l'écriture, aussi la crainte que j'ai de toi et ses suites me gênent par rapport à toi et que, surtout, l'ampleur de la matière dépasse de loin ma mémoire et ma raison.